Au lendemain du remaniement, on a envie d'entendre notre expert politique, le José Covès du pronostic politique, qui avait bien senti de rugir l'environnement. On a entendu quand même circuler beaucoup de noms, Sébastien Lecornu, Chantal Joanneau, jusqu'à Laurence Tubiana. 20 sur 20, Michael, 20 sur 20. Ce matin, beau joueur, vous nous entraînez dans les coulisses de la nomination de François de Rugy, un remaniement qui en cache en fait un autre, Michael. Et oui, avec cette question subsidiaire, de Rugy est-il promu ou puni, hein. C'est un ministre important qui le confiait hier. Il n'y aura pas grand monde à l'Assemblée pour regretter François de Rugy. Le voilà à peine nommé depuis une heure. Il est déjà habillé façon pose. Mais au-delà de cette gentillesse, on va dire, hein, il y a bien une réalité politique. Il fallait exfiltrer un de Rugy peu populaire au Palais Bourbon. À ce stade, le vrai remaniement, hein, c'est celui donc de la majorité et de la direction de la majorité. Pourquoi ? Parce que le président Macron a été en fait assez agacé par la gestion de l'affaire Benalla à l'Assemblée. Le président de Rugy, pour l'Elysée, n'a pas pu empêcher la suspension des travaux législatifs. Et puis, au groupe, Richard Ferrand, lui, n'a pas pu empêcher des voix contestataires au moment du texte asile-immigration. Donc, c'est un mouvement vers le haut. Richard Ferrand au perchoir et un chef à poigne, ou une chef à poigne, pour diriger les marcheurs, parce que les temps à venir s'annoncent difficiles. Il va falloir serrer les rangs. Bon, une condition quand même. Hein. Il faut quand même que Richard Ferrand soit élu, parce que ça reste quand même une élection, même si elle est interne. Et on verra, effectivement, comment la campagne interne va se passer. Et Michael, jusqu'où peuvent aller ces réorganisations en poupées russes ? Alors, vous connaissez le principe, un remaniement peut en cacher un autre, oui. On vient de le voir. Des réflexions existent depuis plusieurs mois autour du fonctionnement de La République En Marche, qui pour l'Élysée n'est justement pas exactement en ordre de marche. À l'Élysée, on l'avait déjà évoqué, le remaniement est en route. Une information, le 15 septembre, la réorganisation au sein du cabinet présidentiel sera effective. Objectif, retrouver la baraka des origines. Emmanuel Macron a eu 15 mois sans nuage. Il a prouvé aussi sa capacité, on l'a vu, hein, à remonter du fond des sondages. Donc on va voir si effectivement les montagnes russes, là aussi, fonctionnent encore. Cette fois, le défi est quand même plus élevé. Il faut tourner la page de cette rentrée, écrire une nouvelle relation avec les Français, parce que les Français lui opposent aussi leur « en même temps ». Ils sont à la fois intéressés et impatients. Ça va lui rester ce « en même temps », hein. Oui, j'ai l'impression qu'il va le porter comme un boulet. Il a voulu. Hein. Oui. Merci.